aucun bruit. Même les animaux se taisent. Ah, j'ai l'impression qu'un fléau a frappé le village. C'est cette vipère de Flavius. Qu'est-ce qu'il a fait ? On aurait dû lui arracher les entrailles il y a longtemps. Il faut qu'on aille à la crypte. Alors du coup, je pense que je vais prendre l'aptitude là pour booster les dégâts. Ça me paraît pas mal. Parce que les autres compétences, je pense qu'à ce stade du jeu, bon, ça sert à rien de les développer davantage. Hop, plus de dégâts. Ouais, apprentissage terminé, genre. Et du coup, niveau équipement, ouais, on n'a pas récupéré par exemple l'arme spéciale. Ça aurait été rigolo, là, le mec qui avait cette espèce de fronde. Enfin, les lames avec les chaînes. Ça aurait été rigolo. De toute façon, là, la cible en théorie, voilà, si on suit le schéma, c'est la dernière, même si le chacal n'est pas mort. Mais pourtant, on a fini cette mission. Ouais, bah, je sais pas. Je sais pas si on va la retrouver, du coup. Allez, soldats romains. Ça doit être ceux de Flavius. Bonsoir. Je suis passé, hein. Abattez ces intrus. Laissez-moi tranquille. Et j'imagine qu'on peut pas couper à travers haut, sinon elle va encore rage quitter. Aïe. De cuir au cas où, on sait jamais. Alors après je pense pas continuer à jouer hein, après la campagne principale parce qu'il y a encore plein de choses à faire, mais c'est ultra répétitif. Prendre des camps, trouver des parchemins, des machins, farmer pour augmenter l'armure. Débloquer l'armure de légende aussi. Il y a toujours une armure légendaire dans les assassins. Mais je pense que je vais faire l'impasse. On va le mettre en mode auto. Allez hop. Ah. Pourquoi tu pars de l'autre côté? Oh, putain. Ah, on va rattraper par là du coup. J'espère qu'il passe pas au mauvais endroit. Attends, mais t'es censé aller la voir elle? C'est qui? D'accord, c'est juste une meuf blessée. Le cheval, c'est vraiment génial. Sauf qu'il y a des problèmes de GPS. Ouh, punaise, là, on passera pas. Stop, t'as aidé le cheval, gars. Ouh, tout m'énerve, toi. Quoi, il m'a repoussé. Voilà, nigga. D'accord, bon, on va rechanger d'arme. La double épée là, faut que j'esquive mieux que ça si je veux qu'elle soit vraiment efficace. Putain, j'étais dans son dos, pourquoi tu l'as pas touché là, Kakamou? Enchaînement de G, j'ai pas vu. Normalement j'ai appuyé R1. Ah, ça le tue direct hein, quand même. 3000 dégâts, c'est... ça part rien. Allez. GG. Hop, oh, tous ces chameaux morts. Rod de Birk. Les pauvres. Ah, niveau ciné, en ce moment, j'hésite à aller voir Paddington 2, qui va pas tarder à sortir. Le premier était sympa. Je pense pas que ce soit le genre de film que Acide regarde, même s'il y a un ours. Ah, mais si on pouvait faire quand même quelques kills. Voilà, t'es bien caché, madame. Je suis pas sûr de pouvoir les choper. Si. Ouais. On a sauté, Ed.
Au moins on en a bien blessé un. Le mec se fait empaler dans le dos, il s'en bat les steaks. Allô. Bon, j'aime vraiment bien les moves de la lance. Hop hop hop. Ça c'est ce que je m'entends, Paul le saucisson. Grosse expression aussi là. Paddington, t'as vu le premier. Mais tu préfères Ted. Bah c'est pas le même délire hein. Paddington c'est tout mignon, c'est familial, Ted, bon. Je l'ai pas vu d'ailleurs, Ted, mais bon, j'ai vu quelques extraits. C'est une comédie, mais un peu plus... Pas forcément mature, mais un peu plus crue. Je sais pas comment dire. On se comprend. Ça aussi, la madame doit faire un assassinat, non? Putain, la meuf. La meuf s'en bat les steaks. Elle sert à rien. J'aime pas Star Wars. Bah, j'arrêtais pas de dire ça, mais depuis que je joue un petit peu à... La Battlefront 2. Regarde, la crypte. J'ai envie de regarder au moins le premier film, voir si j'accroche. Il s'enfuit. Oui. Attention, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. On doit découvrir ce qui s'est passé. Bayek, est-ce qu'on rêve? Nous sommes entrés dans la droite. Qui aurait pu imaginer un tel spectacle? Tu préfères quand c'est trash, acide, c'est ça. Les dieux eux-mêmes. C'est toute l'histoire de l'humanité. Bayek. Bayek. C'est Ebzefa. Oh, mon Sémi. La vie a pris fin dans la poussière du désert. Ils m'ont pris, mon meilleur ami. Nous devons arrêter Flavius. Non! On ne peut pas le laisser ici. Il mérite de vrais adieux. Vas-y, Bayek. Je suis avec toi. Ouais. De l'ordre. Il n'y avait aucune raison de le tuer. Flavius lui a arraché le cœur pour m'adresser un message. C'est lui qui a tué Kemu. Mon époux. Nous devons en finir. Bayek. Oh. Tu as trouvé ce pauvre Ebzefa. J'ai vu ce qui s'est passé. C'était horrible. Les chefs romains sont venus à la crypte du temple. Septimius et Flavius. Les objets qu'ils portaient l'ont ouverte comme l'aurait fait la main d'un dieu. Ebzefa a tenté de les arrêter, mais ils ont fait de lui la première. Ils sont entrés dans la crypte. On aurait dit qu'un feu bleu en sortait. J'ai fui, mais en vain. Tous les habitants ont perdu la raison. Ils sont tombés comme des poupées. Ils ont détruit Siwa. Ils doivent mourir. Vous devez mettre fin à tout ça. Bayek, Aya, les prières de tous les habitants du village vous accompagnent. Occupons-nous d'abord d'Ebzefa. Ensuite, nous rendrons la justice. Donc il y avait déjà cet aspect un peu, ouais, relique. Un peu mystique, hein. La question étant, est-ce qu'on va voir la représentation de type hologramme d'un dieu? Je ne sais pas. Laissez passer les embaumeurs. Prions pour qu'Anubis accepte cet ornement à la place de son cœur. Prions pour qu'Ebzefa puisse arpenter les champs de roseaux. Ebzefa, mon vieil ami. Manque à Siwa, Ebzefa.
Bayek, Hebzefa aurait voulu que tu aies ceci. C'est l'arme qu'il préférait entre toutes. Je suis honoré. L'arme du défunt. Est-ce qu'elle est intéressante? Je pense que oui, c'est une épée classique. Donc le mec vient de perdre un pote, il pense juste à l'arme. Ouais. Alors, parce que ouais, la double épée, j'ai vraiment du mal. Hein. Alors, en feu, hein. Donc on a l'épée classique qui met en feu et l'autre qui... qui a hémorragie, donc c'est pas mal. Salut Margot. Welcome. Aya, t'es où? Aya. Des villageois ont capturé un soldat romain et l'ont interrogé. Flavius est parti pour Cyrène et Septimius pour Alexandrie. Je vais tuer Flavius. Il y a une ferme à la frontière à Cyrène. Quelqu'un aura peut-être vu passer Flavius. De mon côté, je vais arracher le cœur de Septimius. J'ai l'impression que le chaos nous suit. Partout où nous allons. Nous devrions peut-être l'accepter. C'est difficile. Je ne veux pas abandonner, mais... Chaque fois que je pense à toi, je pense à Kémon. Et à tout ce qu'on a perdu. Moi aussi. Alors pour le moment, nous tuerons. Adieu, Aya. Quoi, encore te parler? Qu'est-ce que... Non, c'est bon. Oula, 2 km. Oui, bah écoutez, nous allons employer la téléportation d'époque, qui est assez pratique. Techniquement, je pourrais aller tenter le dieu, mais ça me dit pas... Ah, mais non, mais je vais pas pouvoir me téléporter. C'est une zone que je n'ai point explorée. Et conseil niveau combien? Niveau 32, bah ça devrait le faire. Par contre, ouais, faut qu'on y aille à pied, ça c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé pouvoir enchaîner très rapidement. Surtout que la zone a l'air très peu propice au passage rapide à dos de monture, voyez-vous. Donc je sais pas pourquoi on a un peu le cheval. On a fait 3 mètres. C'est sûrement la ferme dont parlait Aya. Il y a bien quelqu'un qui a dû voir passer le lion. Ok, Striker. Il y a un petit côté Red Dead Redemption. Ah oui, avec l'exploration à cheval, oui. Même si là t'as le choix entre le cheval et le chameau. Coupe. Ah bah oui. Je suis désolée, mais c'était un homme si doux. Une fois, il m'a demandé de soigner un chien blessé qu'il avait pris dans un collet. Pourquoi a-t-il fait ça? J'ai déjà vu ici, ça. Même que dans Red Dead Redemption, t'avais des vieilles bourriques. Je cherche le mangeur d'âme qui est responsable. Flavius. Le proconsul? Cette charogne sans âme a tué mon fils. Rasé mon village. Et aujourd'hui, il parcourt ta région dans la lumière de Ray. Viens. On va fouiller la ferme. Chercher des survivants. Je suis Bayek de Siwa. Praxila. De cette région, devenue folle. Pourquoi est-ce que Flavius fait ça? Pauvre paysan de Siwa. Il y a des gardes. Niveau 32. Ils étaient sur son chemin. Il y a un bruit de cigale ou je sais pas quoi là qui me stresse. Ah oui, comme par hasard le mec se tourne. Hein. Comme par hasard. Le mec bouge pas pendant 3 quarts d'heure mais il se tourne au moment où je tire. J'ai envie de dire le hasard fait bien les choses. On va passer en mode conflit ouvert, hein, parce que là,
Et puis on va juste assassiner le gros pour être un peu tranquille. Bonsoir messieurs. On va prendre feu. Sans battre les steaks de prendre feu. Ah, on a touché les deux en même temps. Ouais. Par contre, faut faire gaffe, je suis quasiment sûr que si on va sur les cadavres, on prend feu aussi. Ce qui peut nous tuer assez rapidement. Hein. Ce qui serait un peu débile. Attendez, on va enlever le marqueur, ça me stresse là. Hop. Du coup, il est là-haut. Salut, Sparta, Dave. Welcome. Tu n'es pas blessé? Que s'est-il passé? Des gars rouges et cette vermine à la tête de lion. Ils ont emmené tous ceux en état de travailler, les fermiers, mon fils cadet. Puis, il est arrivé. Les yeux noirs, sombres comme un corbeau. J'ai voulu lui jeter des pierres pour le chasser. Une chose brillante, dorée entre ses griffes. Il l'a brandi en croissant, alors qu'il mourait. Certains de leurs propres mains, d'autres des mains de leurs proches. Un acte contre nature. Tout le monde pleurait, hurlait, courait, mourait. Mais tu t'es enfui. Personne ne fait attention à une vieille aux yeux voilés comme Nénette. Je les ai vus, et je n'ai pas crié. Je me suis mordu la langue jusqu'au sang. Les hommes qui ont fait ça, nous les retrouverons. Fais vite, ma fille. Le corbeau a volé vers le nord, là où vit la chasseresse. J'ai entendu les capes rouges. Ramène-moi, cadet. J'essaierai. Flavius m'a aussi volé mon fils. On va l'amener jusqu'à mon chariot. Tu vas suivre Flavius ? Escortons-les. Alors du coup, Spartada et Giel, vous connaissez, c'est ça ? Mine. Bon, allez. Pardon, madame. Il le faut. Pour ton fils. Pour tous les fils. Je suis sûr qu'il doit beaucoup te manquer. À chaque heure, de jour comme de nuit. Vous finirez par vous retrouver au champ de Rosy. Qu'est-ce que... Je l'espère. On t'a parlé de l'endroit où la chasseresse ? Oui, à Cyrène. Là où ont été posées les premières pierres de la conquête romaine. C'est au nord d'ici. Si Flavius y est... Je le trouverai et je détruirai chaque fibre de son corps. Lorsque tu arriveras à Cyrène, va trouver mon ami Dioclès. Je lui confierai ma vie, ainsi que la tienne. Il est magistrat, il entend les requêtes à l'Agora. Donne-lui ceci. J'espère que ça guérira la folie de ces terres. Je prierai pour que tu obtiennes justice, Bayek. Bonsoir, Poro. Ton avis, pourquoi ont-ils emmené Cadet ? La citadelle a étendu son emprise sur toute la Cyrénaïque. Des rumeurs circulent selon lesquelles le général Agrippa et Flavius se préparent à la guerre. Contre l'Égypte ? Oui, tu doutes de leurs ambitions ? Non. Je suis le seul qui peut les arrêter. Je vais la conduire à mon hospice de Balagrae, au sud du temple d'Asclépios. Même si cet endroit a déjà connu son lot de souffrances. Je t'y retrouverai si je le peux. Charlie, arrête de faire ce style de faire genre. Le mec. Pleure de joie, mais le refoule. Alors, putain, faut encore explorer en masse. Ah non, mais ça c'est... Bah du coup, on va passer par les points. Mais ça c'est un peu dommage, j'aurais bien voulu tracer, mais je peux pas. Surtout que, ouais, en termes de level, ça passe plus ou moins. Hein. Sauf la dernière là, qui est niveau 35. Mais on va quand même tenter, hein. Je suis que niveau 30... Oh, 34, ça devrait passer. On va peut-être galérer un peu sur un fight ou deux, mais... J'ai vraiment envie de finir le jeu. Bon, ça a l'air d'être assez plat. Chameux. Chameux, chameux. C'est parti. Alors du coup, nous voici à Cyrène, enfin. Après un petit voyage assez longué. Temple de Zeus. Oulala. Bonjour monsieur.
Il est revenu de Balagrae complètement enragé. Il a exigé mes impôts de toute l'année. Quand j'ai refusé, ils ont brûlé ma ferme. Tu es sûr qu'il s'agissait des hommes de Léandre ? Et ma femme qui disait qu'il ne fallait pas lui résister. Ah, je déteste quand elle a raison. Léandre paiera. Tu as ma parole. Ta parole, Dioclès ? Qui va ensemencer mes champs ? Qui va redonner vie à mes chèvres ? J'en ai assez de ce pays, et de toi aussi. Ta parole. Et toi, de quoi notre vénéré magistrat t'a-t-il escroqué, Égyptien ? Praxila dit que tu peux m'aider. Je m'appelle Bayek. Bayek, je suis où ? Bon, les temps de chargement sont vraiment pas optimisés, hein. C'est un truc de ouf. Comment va-t-elle ? Aussi bien que possible, compte tenu des crimes de Flavius. Je suis la piste sanglante de ce chien depuis 6 mois. Les rumeurs sont fondées ? Oui. Comme ces préparatifs de guerre. Un oppresseur de plus. L'Égypte ne retrouvera jamais la paix. Les invasions se succèdent. Flavius fera de l'Égypte un vaste tombeau. Il gouverne depuis l'Acropole. Mais l'endroit grouille de Romains. Je prie pour que le sort te soit favorable, Bayek. Je dois m'occuper de ce magistrat véreux, Léandre. Reviens me voir, si tu veux aider la cause de Cyrène. Merci, Dioclès. Il est temps que mon fils rejoigne les champs de roseaux. Flavius. À mon avis, ça va être un petit peu compliqué. Nous n'avons pas besoin de credo ni d'endoctrinement. Nous ne rôdons pas dans l'ombre. Nous marchons en plein jour. Parce que le credo, c'est les assassins. L'ordre, c'est le... Ça, c'est la confrérie des assassins qui ont un credo. Et l'ordre des Templiers qui suivent leurs règles. Je sais pas comment ils appellent ça. Je me rappelle pour... En gros, c'est ça, les Templiers qui veulent imposer l'ordre au peuple pour voilà, tout soit carré, machin, et les assassins qui, au contraire, veulent la liberté absolue pour tout le monde. Ce qui, en soi, n'est pas forcément la meilleure chose tout le temps, mais bon. Oui, donc c'est ça, sur Discord, on n'est pas très nombreux, on est une quinzaine. Peut-être, ouais, je sais pas, j'ai pas compté. Peut-être un peu plus. Après, tout le monde n'est pas actif. Donc ça reste en petit comité. Oh, il peut escalader, parfait. Garde sont très vigilants par ici. Flammes, coolness, et t'es un pédret. 35, mon bordel. On va essayer de lui échapper, voir si on peut atteindre la cible discrètement après ça. Sinon, au pire, ben, on mourra et on recommencera. Punaise. T'es en feu, gars. Comment t'arrives à tenir ton bouclier ? Alors. Par contre, je crois que ouais, Juzo, t'as pas le droit d'inviter, je crois pas. Faudrait que je crée un statut pour toi. Sous l'arbre bis. Je te donne le droit de créer les invités éventuellement. Comme ça, tu seras pas admin, mais tu pourras créer les invités. Putain, c'est ça qui est nul, il a une arme qui fout le feu, mais il se fait mal lui-même. Hein. JPP. Grosse utilité. Punaise. Salut Mister Blood. Welcome. Relink. Lui il est assez mal placé, mais on va essayer de le tuer discrètement si possible. Parce qu'après en soi, Poro et Charlie peuvent inviter, mais bon, ils sont pas tout le temps là. Pourquoi pas donner les doigts à Jezao. Hop. Je sais pas si on peut mettre 2 euros là, quelqu'un. Au pire, j'autoriserai sous l'arbre à inviter des gens. Et bon, ça inclura Margot aussi, du coup. Fallait pas que ça rendit coup jaloux. Hein. Pour Arashkit. Bah, pour où il a Arashkit le jeu déjà pour commencer, oui.
Mais là, il doit être en train de manger ses chips. En mode ASMR. Putain, comme il prend zéro dégâts, my god. En plus, il a un shield. Hein. Il est juste comme une merde. Hein. Donc, RT. Wololo. Copisser le sang, SCP. J'imagine que le saignement est le feu est cumulable. Hop. Non mais après le jeu il est trop ouvert en fait, hein. Vraiment. Hein. Bref, nous arrivons. Non. Non, ils sont un peu costauds les ennemis, donc si on peut les assassiner c'est pas plus mal. Sachant que ma lame est à fond, je crois, c'est pour ça que je pense qu'on arrive à les tuer en un coup. Même si du coup, au corps à corps, on galère. Le stuff a son importance également. Parce que là, par exemple, à l'arc, je crois que je leur fais rien dans la tête. Hein. Genre, je leur enlève un tiers de leur vie. Même en mode headshot. Ah, je lui fais mal quand même. Non, t'as rien vu. Cacamoum. Gros verrouillage. Regardez, il me met un coup, oh là là, il me défonce. Faire mourir de saignement, voilà. Fait que tu me vois pas, je suis caché. Je suis un maître assassin. On est 20 sur Discord. Ok, JL. Charlie qui a fait le lien. Ouais, GG. Ah, Mr. Blood. Tu t'es pris Call of Duty? Bah écoute, après, si c'est ta cam, why not, hein, mais bon. Hop. J'ai envie d'éternuer. Excusez-moi. Bon, du coup. Est-ce qu'on peut l'assassiner ou c'est un fight de boss? Non, je peux pas rentrer. Hein. GG. GG, well play. Comment je rentre là-dedans? Je ne vois pas d'ouverture. Comme c'est embêtant. Hop, ça c'est fait. Ah oui, une épée plus intéressante, mais du coup qui n'aura pas d'effet feu. On va rester avec ça. Non mais l'anglais, tu peux choisir la langue hein, normalement pour Discord. Hein. Et en fait après t'as plusieurs salons. Donc là si tu prends l'invitation de Charlie par exemple, tu seras sur le Discord Sora Planet. Me semble-t-il. Et puis toi-même de ton côté après tu peux créer ou rejoindre d'autres Discord à ta convenance. Bon du coup j'ai pas trouvé d'entrée là-dedans là. J'appuie sur triangle, il ouvre pas la porte. Donc je sais pas comment faire. À moins qu'il y ait une ouverture au-dessus, je sais pas. Est-ce que ça a servi à quelque chose de monter là-dessus? Où est l'entrée, s'il vous plaît? C'est bien rigolo de... de le mettre dans un bâtiment, mais si tu peux pas rentrer, c'est un peu embêtant, voyez-vous. Ah non, mais si, regardez, il y a des fenêtres. Je n'avais point vu. Hop. Il a la pomme. Tu crois vraiment que je ne te sens pas rôdé dans les ombres, Bayek de Siwa? J'ai remonté ta piste de meurtre et de massacre depuis ma terre natale. Maintenant, prépare-toi à payer pour la mort de mon fils! Non,
Égyptien. Prépare-toi à te prosterner devant Dieu! Okay. Oh, qu'est-ce qu'il nous fait? Ah! Mes amis! Mais Charlie, il met beaucoup de choses, hein, plus. Toi-même, tu sais. Pourquoi tu ne m'as pas tué quand tu en avais l'occasion? Tu aurais dû rejoindre l'or. Tu as besoin de nous! Mais tu as choisi l'esclavage. Comme quoi le feu, c'est efficace. C'est bien connu, le feu, ça brûle. Mais le mec cheat avec sa magie. C'est quoi ça? Des invocations mystiques? What the fuck, merde. Aïe, bah oui, invocations mystiques qui font mal. JPP. Et il est où, lui? Kakamou, là. Je vois des effets de particules, je sais pas si c'est lui. Je sais pas si on peut le trouver ou pas, j'en sais rien. Mais qui te font mal. Hein. Non, je crois que ça a un à voir avec lui, les effets de particules. Bon, on va essayer avec ça alors. Where is my enemy? Ouloulou, et oh, c'est comme sur les chocs. Ça me permet pas de le détecter, Rayli? Notre assassin est doué. Hein. Je sais pas ce que je dois faire. Oh my god. Je t'emmerde, Juzo. Quoi? Qu'est-ce que... Je suis choqué. Juzo est tellement adorable. Ah bon, on lui a fait des dégâts? Ah bah alors il est vraiment là. Genre j'ai touché au pif, what the fuck. J'ai pas compris hein, la logique là pour l'instant. D'accord, il prend les dégâts. Depuis tout à l'heure je cherche le vrai mais c'est pas ça qu'il faut faire. Caca move. Mais stop cheater et j'y peux plus de lui là. Putain. Cheater. Mais ouais d'accord, il est là mais je tape dessus mais il se passe rien. Ouais c'est... Et le mec me snipe avec sa boule magique. Hein. Il est plus rapide que moi au UFC. Insupportable. Mais... J'y arrive pas. Putain. Tu as empêché mon fils de rejoindre l'autre monde. Mais il m'énerve. Il m'énerve un peu le monsieur là. Ah bonjour. Espèce de grosse chiasse. Le mec est insupportable. Tiens. Quelqu'un move. Stop faire des flashs là. Insupportable. Hein. Il est insupportable. What the fuck? Le mec se TP pendant que je le tape. Hein. GG, ouais. Plein. Oula, oulolo. Mais stop cheater. Putain, faut pas qu'il me crame mon tiers de vie, sinon je peux pas le récupérer.
On va essayer de le choper à sa prochaine attaque. Putain! Il est relou! Faut lui brûler au puf pour le toucher, quoi. Préparer la charge, comme ça, dès qu'il se re-TP, il la prend. Aïe! Kakamou! Kakamoukou! Encore une fois, la lance est relativement efficace. Tout est relatif. Hein. Là, je suis pas sûr d'avoir la bonne approche, parce que je gratte un peu de vie, mais c'est très très lent du coup. Oh, y'a la hyène. Ça, c'est les. Oui, les gens qu'on a assassinés au fur et à mesure, ça. Mais il vise pas le. Putain, il vise le mec le plus loin qui peut pas toucher. JPP. Hein. Mais c'est les gens qu'on a assassinés. Je reconnais bien la hyène parce qu'elle avait une coiffure assez particulière. Non, mais le verrouillage, quoi. Il est caca. Le mec vise le mec le plus loin systématiquement. Allô. J'avoue, hein, stop, jouer avec tes illusions. C'est assez caca. Oh punaise, je t'attendais pas de ce côté. Je vais t'arracher le cœur. Gna 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 fois 10. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas un type. Tu es à peine un homme. Aïe, le mec me fait voler comme un cacamon. Tu seras jugé dans la douane. Tiens. Ah non, il m'a bouffé un tiers de vie. Ah non, mais non, mais... Il est au calmos, Ramos. Essayer de lui mettre le feu, mais bon, c'est à double tranchant. Si on se met le feu nous-mêmes, on risque de mourir, tout simplement. Nalaika. GG, hein, le jet de flag. Ah, mais crotte de bique! Le mec va me tuer. Ah putain. Saisis-toi, Bayek. Saisis-toi. Mais non, mais... Mais change. Ah, au secours. Kikamo. Putain. Tarba des champs. Il y en a qui vont se coucher, bonne nuit. A plus dans le bus. C'était un enfant, Flavius. Mon enfant. Papa Yoris, va pas chier. C'est l'une des seules choses que je ne regrette pas. Tu n'auras jamais la paix. La mort de ton fils m'a valu le respect de l'ordre. Et de César. Je tenais Rome. Elle m'a apporté un empire. 1000 fils, tous plus grands les uns que les autres. Ah, allez. Achève-moi, sale lâche! Tu perds du temps! Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas! Tout va bien, papa. Non. Je vais te perdre à jamais. Pas à jamais. Je t'attendrai dans les champs de roseaux.
Sommes-nous enfin en paix avec nous-mêmes ? Aya doit savoir que le cas de notre enfant a trouvé le repos. On va cacher le cadavre. Hop. KLM. Nouvelle quête, le dernier des Medjay. C'est pas fini. Aya Alexandria, 5 km. Je pense que nous allons utiliser la téléportation. Mais regardez, il y a encore toutes ces zones qui sont optionnelles. 37-40. Oh my goodness. La fin approche. Ouais. La TP aussi. Hein. Ouais, dans Discord, c'est pas compliqué. Hein. Après, bon, l'interface, quand t'as pas du tout l'habitude, peut-être que, voilà. Le premier contact peut être un peu déstabilisant. Une fois que t'es invité dans sur un Discord, normalement après ça va. Il n'y a rien de sorcier. En tout cas, Discord, ils ont bien réussi à mettre au placard Skype et TS, je trouve. Je sais pas s'il y a des gens qui utilisent encore TS en masse. Parce qu'à une époque, ouais, TeamSpeak, c'était vraiment le truc que tout le monde avait. Après Discord c'est tellement mieux parce que ça y a un côté forum. Tu peux mettre des bots plus facilement je trouve que sur TeamSpeak. Pour avoir de la musique et compagnie. Tu peux mettre des emotes machin, enfin c'est plus convivial, c'est plus sympathique, c'est plus simple d'utilisation. C'est plus complet aussi. Donc c'est tout bénef. Attends Aya, t'es où, t'es là? Ok. Du coup, je sais pas si c'était vraiment le boss de fin. Là. Après, bon, c'est peut-être juste une séquence pour la forme, là, ce qui reste. Bayek. Salut, John Aedis. Welcome. Si longtemps. Flavius est mort. J'ai affronté l'horreur pour arracher notre fils à la droite. Gemu est en paix. Puisse-t-il arpenter les champs de roseaux. Je vais à Rome pour... Rome ? Aya, tu ne vois donc pas la folie de tes ambitions ? J'ai fait des erreurs. Tu en as fait aussi. Aya ? Tu gaspilles ton énergie. Ah ! Tu es le célèbre Medjay. Phanos ne cesse de parler de tes exploits. J'ai formé un groupe. Voici Brutus et Cassius. Ce sont nos frères romains. Nous allons abattre ces chiens à l'autre bout de la mer. Septimius et César. L'ordre n'est plus seulement le souci de l'Égypte. Cléopâtre règne toujours. Personne ne règne sur l'Égypte. Elle est soumise aux caprices de plusieurs tyrans. Notre reine nous a abandonnés pour Rome. Rien n'a changé ici. Memphis est sous l'emprise de l'ordre. Aya, tu dois agir. Ça ne peut pas finir comme ça. Une dernière fois, Aya. Oh my god. Sphère doit rester cachée à jamais. Alors. Elle a causé trop de malheur. Quitter, oui. Enfin, attendez. On va pas directement. Non, je sais pas. C'est pas indiqué sur la map. Sortons de là. Tac. Tuiseau. Oui, non, mais j'ai pas compris le kikou. Le mec, on le connaît pas. Il dit pas bonjour. Nul pourri. Je sais pas quoi. Gna gna gna. Kikou en carton, pas de spotted. Il aurait pu dire au moins bonjour quand même. C'est un mot de choses. On dit bonjour quand on est poli.